qui domine, Seigneur Dieu, à travers tout l'univers. Seigneur, nous reconnaissons que tu es un Dieu immuable, un Dieu qui ne porte en lui aucune ombre de variation. Cet après-midi, Seigneur, dans le précieux nom de notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ, nous voulons te glorifier, nous voulons t'exalter, nous voulons te magnifier pour ce que tu es et pour tout ce que tu as fait. Merci, Seigneur Dieu, pour l'homme, une créature si merveilleuse que tu as, Seigneur Dieu, formé selon ton image et selon ta ressemblance. Seigneur, après-midi, nous parlons un mot propre, ni vocabulaire suffisant pour nous remercier, pour nous considérer œuvre pour nous, Seigneur Dieu, tout son fait bon. Merci pour cette grande institution, savoir le mariage. Merci parce que vous êtes établi, vous êtes connaît, petit tuyau, Seigneur, tu as besoin d'institution ça, pour ne pas vautrer dans le péché. Parce que, Seigneur, dans 1 Corinthiens chapitre 3, on dit toutefois pour éviter l'impudicité, la débauche, on dit que chacun est sa femme et que chaque femme est son mari. Merci pour la sœur Guerre d'Atiba. Merci pour le frère Bonicha. Deux chrétiens, deux rachetés, deux élus pour le ciel, pour l'éternité bénie. Seigneur, fais aux grâces, l'offre sauvée à toi, mon père, ou rapprocher et vous partager, vous échanger, sentiments romantiques, une pour l'autre. Seigneur, merci pour tant de fiançailles. Vous devez te résister. Il ne pas toucher l'autre selon, Seigneur Dieu, la sainte doctrine de l'évangile de Jésus-Christ. Merci pour l'olia. Seigneur, mettez-vous à l'honneur. Tête de lever, Papa mon Dieu, parce qu'il n'y a pas de monde qui place, pas de monde qui t'a vu dans le désordre. Mais c'est deux mondes l'ordre, deux mondes précis, deux mondes disciplines, qui présentent l'après-midi, puis on prend une lente en mariage. Nous rendons à ce grâce, nous bénissons. Et bien, puisque c'est bagaille propre, et bagaille propre, bagaille sainte à faire après-midi, c'est de connaître côté bien, sanctification, et la vérité. Mais maintenant, oui, s'il vous plaît, nous vous demandons de ne pas quitter nous seuls après-midi, parce qu'on dit, là, deux ou trois sont assemblés dans le nom de Jésus. Et mais Seigneur, l'Esprit ou présence là pour nous capables de bénir, pour nous capables de fortifier, pour nous réjouir. Maintenant, nous t'en prie, on va prendre contrôle, serviteur, pasteur Daniel Jean-Baptiste qui livre à ton service, serviteur, pasteur Edel Thiel, Seigneur, nous, équipe là, Seigneur qui réunit pour cette cérémonie. Prends contrôle nous absolument, de sorte que tout ça qui va faire là, il va inspirer et dicter par ton Esprit Saint, qui c'est l'esprit de sagesse, l'esprit de force, l'esprit de conseil. Demandons au Seigneur de nous parler, demandons va lier, on va parler, on va ligoter tout esprit qui va de nature à glorifier le nom de Dieu, savoir les démons, savoir les principautés. Qui campait, Seigneur, malgré bien aimé au niveau de la place, Seigneur, il n'y a pas d'accord que le père Dieu, il n'y a pas d'accord que vieux plan prostitution, vieux plan place de l'époque, il échoué avec vieux plan ça, mais Seigneur, il connaît côté lié, il travaille, puis on lance vieux rayons de trouble, vieux rayons de turbulence, il a préparé des accidents sur route-là, mais Seigneur, puisqu'on est lié à tout petit. Tout homme forgé contre nous sera sans effet. Mais nous déclarons au nom du sang versé de Jésus-Christ, tout vieux complot après-midi contre nous, sans effet. Nous déclarons après-midi tout vieux programme accident, tout vieux programme de malaise et de maladie contre nous. Nous déclarons nous sans effet. Mais nous déclarons au nom du sang versé de Jésus, puisqu'on dit à l'église où, Seigneur Dieu, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous délirez, Seigneur Dieu, dans les cieux.
cieux sera délié sur la terre également. Mais nous demandons toi plus, s'il vous plaît, on va ouvrir le ciel là et on va répandre grâce à bénédiction de toutes sortes, Seigneur Dieu, que vous connaissez à besoin, Seigneur Dieu, dans le foyer, dans la vie conjugale et dans la famille. Bénis-nous de toutes sortes de grâces et de bénédictions. Nous pouvons faire au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous demandons, parce que nous allons prier en vertu de nos œuvres méritoires. Nous t'en prions dans le précieux nom de Jésus qui vit, qui règne au ciel des siècles. Amen. À nous dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous invitons à présent pour l'ouvrir Bibou avec nous dans Éphésiens chapitre 5. Nous allons lire verset 5. On a commencé à partir du verset 22 et on a terminé au 33e verset à la gloire de Dieu. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mari, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui. Que vous ne soyez pas gardé pour vous la bien. Que vous les fichez dans le jeu. J'ai comme l'impression que Frère Bonny, il est comme un soldat qui va à la guerre. C'est bien ça? Après Jésus va se ramener la mer, tout est une bataille. Vous
Respect
que mériter comme épouse. Oui, c'est ça que nous disons. Jésus-Christ est dit notre parole pasteur même de son modèle de moi. C'est un modèle. Pasteur avait la fête, c'est un modèle. Au nom de Jésus. Bonicha, est-ce que tu es en présence de Dieu et en présence de cette assemblée? Et pour bâiller ce guet-là, toute affection, tendresse que le mariage a exigé. Avec Jésus, tout ça va pour le couronner en récit qui a été nommé, qui a béni quand même dans Jésus. Amen. Est-ce que tu es en présence de Dieu et en présence de cette assemblée? Pour bâiller ce guet-là, tout support. Et papa, il faut supporter, il faut obligation pour supporter dans les bons comme dans les mauvais jours, bon gré, mal gré, advienne que pourra, quelles que soient les circonstances, et quelles que soient les circonstances de la vie, quelles que soient les tangents de la vie, même pour supporter. Oui, avec Jésus, ça nous a dit que nous avons dit que Jésus-Christ a fait le changement de Jésus-Christ. Voilà, c'est ça. Ils sont d'accord. Amen. En tant que frère d'abord, c'est frère de la foi. Amen. Les amants, c'est frère de la foi. Ils sont d'accord pour le conseil avec Fégué. Pour mettre terre ensemble à l'air. Pour mener un combat spirituel. On bataille ensemble jusqu'à ce que l'on prenne la gloire. Alléluia. Est-ce que d'accord ça? Avec Jésus, nous d'accord. Amen. Est-ce que d'accord? En présence de Dieu et en présence de cette assemblée, pour partager avec ce guet-là tout ça pour citer et tout ça pour gloire pour citer. Oui, avec Jésus. Pas dans le mariage. Pas oublier nous font seul. Selon les saintes écritures, l'homme quittera son père et sa mère. Les deux deviendront une seule chair. Une seule chair. Dans la mathématique, on dit 1 plus 1 by 2. Mais dans le mariage, 1 plus 1 by 1. Est-ce que vous êtes d'accord pour passer le premier dans l'évangile sérieux, pas qu'il y a fait garçon petit pour l'autre. Garçon d'eau qui est fait. On a pas de quoi de mettre place pour garçon de bienvenue. Vous pas de place pour garçon pour elle. Pour vous, c'est pas ce que vous avez. Tout comme vous avez droit à ce que vous avez. Vous avez rien caché. Au nom de. Au nom de Jésus, on ne peut pas quitter là, on va t'annoncer un peu pour vous. Et pour faire ça, garçon défaut. Garçon défaut, oui. Mais il y a un peu comme. Vous avez un peu comme. Vous avez un peu comme. Vous avez un peu comme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que vous d'accord pour faire tout ça dépend de vous, tout ce que vous avez toujours mon sourire sur les yeux. Pour faire qu'elle est contente. Pour que la joie nous soit. Pour tellement mon joie qui a débordé en dedans. Pour que la grossi. Visage a pas volu. Et puis nous essayons d'apprendre le lave. Physiquement. Est-ce que vous êtes d'accord en présence de Dieu? Et en présence de cette assemblée. Est-ce que vous êtes d'accord en présence de Dieu? Pour faire tout ça dépend de vous. Pour être dans l'hymne de l'évangile là. Jusqu'à ce que, et pour aider le bataille,
pour rester dans la ligne de l'évangile là, jusqu'à ce qu'il est mort, parce qu'il parle de nous, ou bien Jésus-Christ retourne avec Jésus. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras. C'est si Magda. Ça va? Bien. Tu vas t'apprendre de cette maladie. Cette maladie, tu crois bien, non? Est-ce que vous souffrez? Ok. Même ton problème en suivant là, moi, je ne peux pas regarder, je fais bon financier. Comment c'est fait au matin? Il n'a pas fait quelque chose pour nous, parce qu'on est plus gardé que vos financiers. Waouh! Waouh! C'est vous garder! Waouh! Où est bien? Avec Jésus. Est-ce que vous avez un surnom? Fait bonnet? Chachou, Chachou, Gedou, Gedou, Chachou, ça marche, ça marche, ça marche. De quoi ça marche? Waouh, waouh, waouh. T'as oublié le titre de la télé, t'as d'avoir une petite histoire. Gedou, Chachou, Chachou, hein. Toute la gloire est là. Avec tout ça, la paix là, toute gloire, merci. Tu as fait des mots par moi hier, ça. Au nom de Jésus. Je regarde là. Est-ce que d'accord? En présence de Dieu et en présence de cette assemblée, du collège pasteur Ila, pasteur Elsie Joseph. Moi-même, pasteur Daniel, pasteur Étienne, est-ce que vous êtes d'accord pour pouvoir faire bonnie comme seul époux? Oui, avec Jésus. Oui, avec Jésus. Où est-ce qu'on va compter? C'est votre chachou. C'est chachou. Il s'agit de ça, c'est chachou. Voilà Dieu. Voilà Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord? Et selon la parole de Dieu, les Saintes Écritures, et pour soumettre avec lui, quelles que soient les circonstances de la vie, les deux femmes soient soumises à votre mari. Oui, avec Jésus. Est-ce que d'accord pour respecter, pour supporter, quelles que soient les circonstances de la vie? Oui, avec Jésus. Oui, avec Jésus. Est-ce que d'accord en présence de Dieu, et en présence de cette assemblée pour bataille pour côté frère Bonny comme un soldat. Oui, avec Jésus. Oui, avec Jésus. Est-ce que d'accord en présence de Dieu et en présence de cette assemblée pour supporter frère Bonny, quelles que soient les circonstances de la vie? Oui, avec Jésus. Dans les bons comme dans les mauvais jours. Dans la santé comme dans la maladie. Oui, avec Jésus. Oui, avec Jésus. Est-ce que d'accord? À partir de ce soir, pour renoncer à toute leur garçon, fait pour vivre comme seule épouse. Et pour oui, avec Jésus. Est-ce que d'accord pour partager avec lui toute son possédé? Et qu'il soit pas possédé. Oui, avec Jésus. Vous voulez être souffrir en vous? Oui. Bah. Oui, pas peut-être.
On est en souffrir un peu? Oui, papa. On connaît un grand goût? Est-ce que d'accord, en présence de Dieu, en présence de cette assemblée, à ce qu'on va tout manger le net. Fais qu'on ait dit d'accord, on va tout manger à ce qu'on va tout. Est-ce qu'on est d'accord en présence de Dieu et en présence de cette assemblée pour faire preuve de femme vertueuse pour côté du frère Boni pour la gloire de Dieu? Oui, avec Jésus. Oui, avec Jésus. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras justifié. Merci à soi. Yes. Alléluia.